Bonjour à tous les amis et bienvenue à vous dans cet épisode 4 de Far Cry 4. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite du coup du jeu. Nous avons notre tuk-tuk juste là, voilà. Et nous allons le prendre en fait, ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on le prend? Ouais, on va le prendre pour le ramener près de Banapur. J'ai envie de le garder ce tuk-tuk là. Du coup on va se mettre un point ici, genre là, là, voilà. Et on va revenir sans tomber, c'est possible. Sans mourir surtout. Ah ouais d'accord, ok, très bien. Bonjour. C'est un sanglier ça ou c'est un cochon? Je crois que c'est un sanglier. Je ne sais pas. Allez, on va récupérer la route qui est là-bas. YOLO. Voilà. La route qui est là, parfait. Je veux mon petit tuk-tuk, moi, je veux mon petit tuk-tuk. Il y a un vendeur sur la route. Attends, il me vend quoi le copain là? Trop cool, il y a des petits vendeurs ambulants. Arc de chasseur. Super. Ouais, vas-y, vends. Ouais, vends. Ça c'est fait. Comme ça, on n'est pas obligé de revenir à la ville. Cool. Qu'est-ce qu'il me vend? Il me vend tout ce que j'ai là-bas ou pas? Ok. Pour ça, on verra ça tout à l'heure. Oui, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir dépanné de tout ça. Parfait. Un problème, toi? Je suis en tuk-tuk, mec. Je suis en tuk-tuk. Yes, oui, un tuk-tuk. Alors, on va aller voir notre... Dégage, là. Dégage, merci. On va aller voir dans notre base, notre maison, dans notre truc. Si on a notre Darkling. Parce que Starkling, il est mignon, hein. Il est mignon, mais c'est de la merde. Donc, voilà. Où est mon arc? Où est mon arc, bordel de merde? Il est pas là-dedans? Ah! Donc, arc, voilà. Est-ce que c'est bien celui-là? Est-ce que tu peux juste me le montrer? Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bien ça. Alors, est-ce que je peux le modifier? Personnaliser. Donc ça, je vais dans armes. Arc recourbé. Personnaliser. Qu'est-ce que j'ai? Non, ça, on s'en fout, ça. Ferme-la. Viseur réflexe. 32 000. On le prend, ça? Est-ce que je peux le colorer aussi? Oh, je le vends moderne. Pour faire comme dans Call of. Mais on va pas le peindre maintenant, hein, parce que ça coûte 20 000 cette merde quand même. Mire réflexe ou mire métallique? Mire réflexe. Elle a l'air moins grosse ta mire réflexe. Allez, on va voir ce que ça donne avec ça. Ça c'est un peu la sauce. Donc là c'est bon, je l'ai. Je veux pas la mire réflexe, mais parce que je pense que je peux pas l'utiliser ici, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Ok, très bien. On est reparti. On est reparti. Qu'est-ce que je voulais faire? Tac. Je vais compétences. Je n'ai qu'un seul point, donc on va laisser comme ça. On va aller. Non, on va aller ici, comme j'avais dit tout à l'heure. Là, on va aller voir un petit peu ce que c'est que ça. Ok. C'est parti. Ah, attends, munitions. Je crois que j'en ai que 8, ouais. On va reprendre des munis. On va reprendre des munis. Remise de 20%. Est-ce que je prends tout d'un coup, comme ça au moins c'est fait? Je me demande en fait.
J'hésite vraiment. Allez, je le fais. Comme ça au moins on aura juste ça à faire après pour comme ça j'aurai un peu tout sur moi et comme ça on aura juste ça à faire pour régler nos pour remettre des trucs dans les trucs de base. Voilà. YOLO. De coup, donc il faut qu'on aille tout là-bas. J'ai mon tuk-tuk. Je fais mon tuk-tuk. Voir comment ça fait. Ah ouais. Ah oui. Effectivement. Qu'est-ce que je viens de faire? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on prend ça ou est-ce que... Ouais, allez, quand même, on va y aller safe. On va y aller safe. Voilà. Contrôle, détaché. On est parti. Continue d'avancer. J'espère que je vais trouver... Calmez-vous là-dedans, là-haut. Ça arrête pas de se tirer sur la gueule. Je crois qu'il était pas mort. Je vous ai aidé encore, c'est moi. Thune, thune, thune. Thune, pas thune. Thune, pas thune. Thune, pas thune, ok. Toi, je te veux, toi, par contre. Moi, je te veux. Je tourne mercenaire x1. Ça, faut regarder un petit peu à quoi ça sert. Car je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une voiture, un tuk-tuk, une connerie pipe à opium, parfait. On va pouvoir se défoncer. La gueule. 25% de réduction sur les accessoires d'armes. Nice. En gros, c'est-à-dire qu'il me kiffe, et du coup... Quoi ça déjà? Est-ce que j'y ai mis dans la gueule? Est-ce que j'en ai besoin de ça? Pot de sambar. Non, j'ai pas besoin. Parce qu'en fait ça me l'affiche juste au-dessus de ma carte si jamais j'ai des trucs à faire. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Après les gens, on va essayer de se trouver un truc pour rouler. Et de débloquer le deuxième poste de garde. Oui, oui, j'arrive. Ça me dit que le point d'interrogation est là alors qu'il n'y a rien. Ah, en dessous. Très bien. Quoi, ça là-bas, là? Non, c'est pas un cochon, ça. Pas du tout. Ah, peut-être. Ah, je me demande quand même, hein. Je vais aller voir vite fait, c'est pas un cochon ce truc là. Pas du tout, derrière. C'est quoi, c'est quoi? Espèce de lamentin ou je sais pas quoi là, par lamentin, mais. Hein. C'est quoi? Oh, de. Tapir de Malaisie. Ça sert à rien ça? Pas ça. Tapir de Malaisie dans confection. Absolument pas. Merde. Bon, j'en aurai au cas où si jamais il m'en faut plus tard. Très bien. Donc y'a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On va prendre des fers bleus déjà. On va faire ça déjà aussi. Si, le moulin. Fait, là-dedans y'a quelqu'un ou pas? Ouh, mais c'est une grotte! C'est trop la sauce! C'est trop beau, sans déconner, c'est trop beau. Refuge de Kira. Ah! Intéressant! Intéressant! Ok. Pour lire, on s'en branle. Oh, j'ai une bastune quand même, hein. Ouh, ma nice! C'est quoi, on a des trucs à ramasser? Je ramasse des thunes où, là? Ok. Je crois que c'est déjà la fin, je fais, non, mais c'est sérieux, là? J'ai pas mis le timer, je crois! On en parle ou pas? J'ai pas mis le timer. Du coup, ça fait quoi? Ça fait 25 minutes qu'il doit rester à peu près. Play. C'est bon. Ok, c'est parti. 25 minutes.
ce bruit là. Ok, on s'en fout. Il y a des trucs là, il y a un truc là. Non, il est où? Il est là. Il est là. Un chapelet. Chapelet Léal. Très bien, on se blague. On prend ça, on prend ça, on prend de la truc, c'est parfait. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, on a découvert ce que c'était, du coup, on peut... Coffre caché? Ouais, d'accord, ok. J'ai envie d'aller là-bas. Les gens... Non, pas là. J'ai envie d'aller là. Voilà. Je vous l'avoue, non mais voilà. Je vous l'avoue. J'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie d'aller là-bas. Du coup, on est parti. Est-ce que je vais arriver à trouver une route, par contre? Pas comme ça, je pense. Je pense qu'il faut plutôt que je descende pour remonter, n'est-ce pas? Genre comme ça. Si on meurt avant, c'est pas de ma faute, hein. C'est bon, tout bien. Ok, c'est de l'autre côté. Dégage-toi. Parfait. Allez, let's go. Let's go, let's go. Tant que je t'écrase pas quand même, gamin. Voilà, c'est bon. Va-t-on tomber sur des gens? Je ne sais pas, on verra. Ok. On est bien. On est bien. Il y a un bateau là. Très bien. Bateau là. Ça tire ici. On s'en fout. On s'en fout. Moi aussi. On avance. Une voiture là. C'est des potes. Des potes, hein. Oh, grâce pas, go. Il y a plein de trucs à ramasser. Attends, c'est quoi ça ici là? Ah, il y a un barrage. Ah, il y a un barrage. Ah, mais très bien. Pourquoi il y a un barrage? Y allez, moi. Attends, quoi? Sérieux là? Ah, ils ont mis des limites. Ah, d'accord. Ah oui. Très bien. Ils ont mis des limites pour pas qu'on fasse comme je fais, c'est-à-dire rusher des trucs. Très bien. Donc faut d'abord que je finisse cette zone. Ah, c'est un peu con ça. C'est un peu con. Bah, du coup, on va aller par là-bas. Je vais vider tout ce qu'il y a là et je vais aller voir Longinus. Ah, les bâtards. Ah, les bâtards. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Oh oui, je peux rentrer là-dedans. Alors quoi? Alors quoi? C'est une autre planque en fait. Récupérer. Journal de Mogar. Très bien. Ici nous avons. Pourquoi un C4 et une mine? Mais de quoi? Depuis quand? Je me suis même pas servi. Depuis quand? Elvi possède le seum. Exactement. Là-dedans il y a encore un truc à récupérer. Ouais. Ça. Voilà. Propagande, tu dégages. Oh, point de compétence. Point. Ah, j'en ai 3. Nice. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Sauter ou tomber d'un ennemi, machin. Lancer une exécution sur un ennemi avec F, appuyer sur tac pour lancer le couteau sur un autre. Ça, c'est pas dégueulasse non plus, ça. Hein. Puis automatiquement, l'autre cible aura besoin d'une exécution. Ça, c'est cool aussi. En fait, là, c'est tout ce qui est plus santé, là, c'est tout ce qui est plus agressif. On va faire ça. On va faire ça. Ou ça. Ah, je sais pas. Par le bas. Un ou deux ennemis situés. Une paroi, ouais. Ah, c'est pas mal aussi, ça. En fait, je pourrais faire ça et ça. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je fais ça et je prends l'autre direct aussi. Comme ça, je fais en dessus et au-dessous. En dessous et au-dessus. Voilà, comme ça j'ai les deux. On prendra ça au prochain. Ok? Allez, on fait ça. Y'a rien à ramasser s'il y a des trucs à ramasser là. Donne! Voilà. Et toi, tu donnes ici. Merci. Ça c'est ok, du coup, on va reprendre le quad. Et on va aller faire la mission qui est en bas. On va aller donc ici. Salut!
Pff, trop la sauce au jeu, hein. Trop la sauce, hein. Ça me manquait, hein. Ça me manquait grave. L'arme spéciale Stormer est maintenant disponible. Attends, attends, il y a un truc là. Prends ça, mon wesh. Oh. Arracher les affiches de propagande. C'est le bordel là-dedans, non? Ah non, il s'entraîne, d'accord, très bien. Fermez-la, s'il vous plaît! S'il vous plaît, je suis un ami respectable. Bienvenue, je suis Longinus. Oula. Et toi? Tu es Edge. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues? Bien sûr! Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses 7 sceaux. C'est notre sauveur, notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quel... Quand le Christ revient pour briser les 7 sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai? Et un lion, ça a besoin de crocs? Quelle flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien, Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse taré, lui. Et l'homme à la colère. Taré. Je comprends pas ce un que soldat vous... sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edge. Chaque arme est une bible, et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout ça de suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'en mêle pas, Artek! Alors il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Très bien, et c'est ça que c'est, les types de missions comme ça que je suis pas, enfin que je suis moins fan en fait. 5 minutes, où est mon quad? Là. Je suis moins fan parce que là c'est du, voilà, tu défonces tout ce que tu vois, bon c'est bien mais, voilà quoi. Roule dessus, bâtard. Que tu te souviennes de cette époque, Edge. Moi, ta mère et toi dans ses bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Girat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais c'est trop tard de démolir. Ne les laisse pas t'enfoncer, Edge. Isoiré ne t'a pas renvoyé ici pour ça, pas vrai? Attends, deux secondes. Oui. Putain! Ah, j'ai eu peur.
J'ai peut-être pas le temps de les fouiller là en fait. Pas vraiment vraiment le temps. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté là? Je sais pas, j'ai pas compris là. J'ai pas compris ma logique en fait. Il n'y en avait pas en fait, je pense. C'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais par contre, j'ai pas le choix. Ok. Un incendie! Je suis là, Sabal. Qu'est-ce que je peux faire? Putain! Reste à couvert et souffle tout ce que tu pourras. Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts. Et là c'est très la concentration là, ce n'est pas de ça, ça je sais pas si c'est des potes ou pas en fait. Les papotes sont rouges, c'est simple. Wouh! Est-ce que je lui mettrais pas un petit truc explosif? Ah j'en ai pas, putain. Ok, je suis en feu. Putain! C'est qu'il m'a mis dans la gueule! X. Ok, hélico, hélico. Ouais, j'envoie une flèche dans l'hélico, ma gueule! Ouais, je fais quoi là? Je sais faire quoi en fait? Reload, c'est fini. Allez go! Go, sauve là! J'arrive pas à passer le mur. Il y a un mur, je peux pas passer en fait. Désolé. Ok, là-bas. T'es mort, mec, t'es mort. C'est pas de me courir dessus avec, toi, avec tes flammes là. Vraiment, il faudrait qu'il s'éteigne un petit peu pour que je puisse passer. Ça va, ça va.
Aïe. Je fais comment là? Là. Elle est là, c'est bon, je l'ai. Je t'ai, gamine. Pas oublier que je suis pas un héros, hein. C'est ça que j'aime dans les Far Cry, en fait. Je vais bien. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, Sabal, et elle est terrifiée. Je vais la ramener. Et puis ensuite, on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? Je vous dis, je fais la pécho, la mère. Ou la fille, je sais pas si c'est la mère. Voilà ce qu'on a gagné en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'AJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Allez! Mission terminée! Du coup, est-ce qu'on a... What? Ah. Bazar de machin. On va aller faire ça. Voilà, pour que la zone ici soit verte. On va aller s'occuper de ça. Du coup, là, j'ai... Ouais, il faut que je fasse le plein de trucs, là. Hop, je passe le plein de tout ça. Et c'est quoi ça? Mon frère, il faut qu'on parle. Je m'en fous. Stormer débloqué. Ok, faire le plein de munitions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois aller à Banapur. Et Amita se concentre sur l'avant-poste. Toi, il faut que tu nous aides avec les otages. Je sais que je t'en demande beaucoup, mon frère. Mais il faut les sauver avant qu'on reprenne l'avant-poste. Mais Amita a dit... L'avant-poste est important. Mais notre priorité doit être la vie de ces otages. Le peuple du Tirat dépend du Sentier d'Or pour sa protection. On ne peut pas les abandonner. Libère les otages, mon frère. Les otages sont là-bas. Mais nous, on va nos cars complets, on va aller là, d'accord? Voilà. Parce que moi, je suis comme ça. Ah non, attention, j'ai pas fini la mission et du coup... Ah... Si, c'est la même mission terminée. Attends, la map, ça m'envoie bien là où j'ai demandé. Ah non, la pute, quoi. Bon bah, ici, là... Non. Ici, faut que je change de route. Je suis la route qui m'indique, mais après, je change de route. Je m'en bats les couilles. Oh bah les couilles, je suis comme ça, bon allez. La route qui est... Là. Ouais. Hop. Hop. Tout va bien. C'est bon ça. Allez, on descend. Le ciel est joli aussi, hein. Les musiques d'ambiance sont vraiment cool. Voilà. Comme ça, on va sécure un peu la zone. Et hop là. Sécure un peu la zone. Et on est bien. Ok. Ah, 100 mètres, on y arrive. On y est presque. Ok, et à 100 mètres, on change de route. Ici, on change. Et moi, je veux aller... Ici. Où on va par là. J'en étais sûr. Bon, ouais, j'ai pas le choix. Faut que je fasse la mission. Fuck. Ah, c'est casse-bure les missions, t'es obligé de suivre. Bon, bah, allez. Go s'occuper des otages. Putain.
combien de... Attends, on va se détendre la nouille. Je vais mettre un petit point ici. Voilà. Voilà pourquoi faut se détendre la nouille. Parce qu'en fait, il y a des gens qui arrivent. Moi je vais aller dans le feutré. Ok, ils sont là. Voilà. Je vais me prendre par là. Ah d'accord, il est juste là, très bien. Je voulais pas m'engager dans l'armée au départ, et je me retrouve ici, à glander. Je vais essayer du coup ma... Ah non, je l'ai pas encore. Voilà. Ça, c'est fait. On fouille. Ah, une petite compétence, nice. Du coup, là, la compétence, ça m'aurait été utile. Ah, salle de butin qui est plein, putain. Il est trop vite plein, ce truc. Far Cry 4 en mode pantoufle, exactement. Je vois qu'il y en a qui ont encore les bons réflexes. Je vais attendre un nouveau point pour déverrouiller celui-là. Donc, d'accord, très bien. Donc, le reste, on va y aller à la patte. Hein. À la papate. À mon avis, des petits avant-postes comme ça, il n'y en a pas qu'un. Genre là-haut, là, par exemple. Pas le choix, faut que je passe par là. Hop, let's go! Dans le feutré, moi. Est-ce qu'il y a des gens ici? Ok. Et merde. Oh non, putain. Non, 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 non. Putain, les otages, vite, 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 vite. C'est bon? C'est bon, moins deux otages. Les otages sont sauvés, Sabal. Tu le nom de ton père, Edge. C'est ce qu'il cherchait à accomplir en fondant le sentier d'or. Ah, je m'en suis pas mal tiré en fait. Écoute, moi je suis pas venu là pour mon père. Je m'en suis pas mal tiré, j'aurais préféré tout faire dans le feutré, mais bon. J'étais un peu con, j'aurais pas dû attaquer le. J'aurais pas dû attaquer le mec. J'aurais dû approcher plus vite. Je te le promets. On trouvera ensemble. Merci, Sabal. Nice. Je kiffe l'effet quand c'est fini là. C'est trop la sauce, je trouve. Trop la sauce. AJ, c'est Amita. Je sais que Sabal t'a envoyé libérer les otages Amita au lieu d'aller reprendre l'avant-poste. C'est ça. Je comprends. T'es nouveau ici et Sabal peut être très persuasif. Je voulais juste aider un peu. Et j'apprécie ton dévouement. Mais tu dois avoir plus de recul. Ok, le timer me dit que c'est la fin. J'avais tout mis en place pour qu'on puisse s'occuper de l'avant-poste. Et maintenant, je dois briefer les soldats pour qu'ils protègent les otages que tu as sauvés. Les protéger de quoi? De fleurs.
C'était pas volontaire, ça. C'est tout ce que j'ai. Tenez, je vous l'offre. Pas, AJ. Non. On avait un plan. Non. Et maintenant, non. Il est foutu. Je n'ai que ça à partager. Avant de pouvoir aller à l'école. Ne touchez pas. Et en attendant, les soldats ennemis installés dans l'avant-poste vont pouvoir se barricader. Ah, si je peux empêcher ça. AJ, attaquer l'avant-poste tout seul, c'est du suicide. Attends qu'on puisse envoyer des renforts. Je peux y arriver, Amita. AJ, non, ne... Ferme-la, toi, ferme-la, j'ai dit. Chut. Bon, les gens. Ça, c'est fait. J'ai failli tuer un otage. Parfait. Les gens, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, la VOD. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode, je ne sais plus combien, 5 de Far Cry 4. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Jouez bien. Ciao, tout le monde.